Eh bien, salut les potos, salut, salut, re-bienvenue pour la suite des aventures au bunker Alpha sur Last Donners. Donc, je suis caché, vous avez réussi à me trouver ou pas? Ah bah, je suis là. Un petit coucou, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à checker mes petites vidéos et à vous abonner si le contenu vous plaît. Donc moi, je fais une nouvelle vidéo, bien sûr, pour vous présenter mon petit opening, ma deuxième partie d'opening, je dirais, concernant les coffres à coupons. Donc comme vous avez pu le voir hein, sur ma dernière vidéo, je vous ai fait l'opening des coupons vert et orange. Malheureusement, j'avais plus assez pour mon coffre coupon rouge. J'en ai profité pour faire le bunker. Parce qu'il fallait que je le fasse aussi hein, pour la quête des Raiders. Donc, j'en ai un peu bavé. Donc, je vous le cache pas. Hein. Ça a été très dur. Je suis mort une fois, je suis revenu, j'ai récupéré mon stuff. Mais j'ai réussi à finir le bunker. Donc là, il n'y a vraiment plus aucun mob, mis à part le Blind One, mais qui sera sur le mode hard, que je vais pas activer non plus, parce que voilà, j'ai pas envie de prendre une volée et devoir perdre tout ce que j'ai. Donc on est parti. J'espère que je vais avoir du lourd. Alors là, franchement, si j'ai le réservoir, je veux un maximum de likes et de partages. Je veux que la terre entière le voie. Parce que ça m'aurait fait plaisir d'avoir une seconde fois l'opportunité de finir de craft mon chopper. Hein. Donc, allez, sans plus attendre, je mets une petite parenthèse. Sur la dernière vidéo, j'étais venu faire l'opening, mais j'avais pas ouvert cette porte. J'aurais dû, parce que je vous aurais montré tout simplement ce que j'ai eu. Dans cette petite étagère, j'ai eu une clé plate et un coupon vert, un coupon orange et un coupon rouge. C'était une très belle, très beau loot. Allez, je me lance. Ouh, dommage. Dommage. Par contre, les armes sont toujours les bienvenues. Tac, le petit moteur aussi, les stuff c'est génial, ces stuff c'est la vie, les clous, du coup je vais prendre tout ça, je vais prendre une arme à la main, je vais prendre ça, comme ça je vais remonter ça ici, je fais de la place, j'ai hâte hein, bien sûr d'avoir mon sacré, mon sac militaire, ce sacré sac parce que ça va me faire vachement plaisir de pouvoir prendre plus d'objets. Le motif Harvey, je le prends pas parce que il m'intéresse pas. J'en avais eu un, c'était le motif flotteur. Du coup, je sais pas ce que je vais prendre. Ça et puis bon, le reste je reviendrai. Je reviendrai chercher ça parce que j'ai pas fini encore. Hein. Il me reste encore deux trois petits trucs à prendre ici. Hop, impeccable. Bon bah c'est cool ça. J'avais pas fait la petite poubelle. C'est cool. Ah ouais, ok. Du coup, bah tant pis, hein, je verrai après. Hein. Hop, on est reparti. Donc je vais ramener ça à ma base. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des avis ou des conseils concernant le bunker. Moi après je sais que je vais proposer un petit, je le ferai ça en vidéo. Je ferai un petit tuto parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois hein, en commentaire. Sur plusieurs vidéos, bien sûr. On m'a demandé si c'était possible que je fasse un petit tuto concernant le bunker
en mode hard. Mais le souci, c'est qu'avec mon nouveau compte ici, là, bah, je ne peux pas forcément aller tout de suite dans le mode hard parce que sinon je vais me faire lâcher. Donc, je pense que je ferai un petit tuto. Je profiterai de prendre mon ancien compte pour être bien stuff et pour faire un petit tuto. Ça serait cool, ça serait sympa de faire ça. Donc voilà, là je vois ça pas pour maintenant, je verrai ça un peu plus tard. Pour l'instant, je farm mon compte, mon nouveau compte. Et puis voilà, voilà. Là, il va falloir que j'aille farm de la pierre. Parce qu'il va me falloir combien j'ai dit, je sais plus. Une centaine de pierres pour finir mes murs en bois. Enfin, mes murs niveau 2. Pour ma pièce centrale. Après tout le tour, je verrai comment je vais m'y prendre. Je verrai. Donc, on arrive à la base. Je vais aller vous montrer ça. En tout cas, ouais, franchement, je suis content. Deux tenues tactiques, encore des armes, hein, surtout la pièce moteur. Donc, du coup, ma petite base, hein, comme d'hab. Alors, avant, je vais aller vérifier quand même les Raiders. Tac. Donc, effectivement, je ne pensais pas que tu reviendrais. Bienvenue dans le club des pilleurs de bunker. Eh ben, enfin. Alors, par contre, j'ai pas eu de C4 dans le coffre à coupon rouge. J'ai pas eu de C4. Donc, je verrai sur les prochains openings si j'arrive à avoir du C4. Parce que j'ai pas trop envie de passer pour 150 pièces. Je préfère économiser et utiliser les pièces au cas où si jamais j'ai besoin d'avoir de l'énergie. Donc voilà, ça au moins le bunker c'est fait, j'aurai pas à le refaire, du moins pour l'instant. Hein. Peut-être sur d'autres events pire, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, voilà. Comme vous avez pu voir sur mon ancienne vidéo, ma dernière, les murs que j'ai commencé à passer niveau 2, donc sur cette pièce-là. Donc j'ai fait j'ai fait la moitié, on va dire. Donc il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 murs. 10 murs, 10 murs, 10 murs dans une porte. 9 murs plus la porte. Donc j'ai ce qu'il me faut ici déjà. J'ai 205 planches. Il va falloir que j'aille refarm des planches et du bois. Enfin du bois. Pour refaire des planches, parce que si je ferme du bois, ça va pas le faire. Ça, et puis après ici, tac, j'ai mes pierres. Et vu que je suis en train de me faire les briques de pierre, je vais être obligé de retourner chercher et farmer de la pierre. Donc il m'en faut une centaine. Et ensuite, je pourrais finir cette pièce là. Donc niveau 2, j'espère que ça va aller vite. En tout cas, n'hésitez pas. Likez, commentez, partagez, ça fera toujours plaisir. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Allez, les potos, je vous dis salut!